Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Slime Isekai Memories. Et les potes, ceux qui ont pu me suivre ce matin ont pu voir du coup le live, assister au live en même temps que moi. Et donc on a eu plein de petites annonces, des petites annonces par-ci par-là qui sont venues dans le jeu. Et donc on va redécouvrir toutes ces annonces, toutes les choses. Je vais faire dans cette vidéo du coup un grand résumé de toutes ces choses qui ont été dites au niveau de ce live, et on va découvrir petit à petit dans cette vidéo toutes les choses importantes qui sont à venir du coup sur le mois de décembre. Comme vous avez pu voir à l'écran, du coup, petit nouveau overlay, donc je l'ai introduit lors du live. Je vais faire un petit test pour cette vidéo, je vais laisser cet overlay là. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas, et en fonction de ça, j'ajusterai lors de mes prochaines vidéos. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, tout ça, c'est gratuit et ça me fait méga plaisir. Tu peux également me mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Sur ce, les potes, c'est parti pour la vidéo. Alors, on va commencer par les choses. Donc ça, c'est la toute première chose qui a été annoncée dans le jeu. L'une des toutes premières choses qui a été annoncée dans le jeu, c'est la partie 3 de Fuse Pen Story. Et c'est tout simplement, en fait, voilà, ici, on a eu la première partie qui était du coup avec Diablo, la deuxième partie c'était Veldora, et la troisième partie donc ça sera Valentine. Et en fait, si vous voyez bien le cheminement du jeu, donc quand la Fuse Pen Story de Diablo est sorti en même temps. Donc en portail, on a eu la possibilité d'invoquer Diablo. Là, on a eu également Veldora qui est sorti en mode story, et pareil, on a eu la possibilité de pouvoir l'invoquer. Donc les potes, ça a bien l'air d'être la sortie de Valentine qui va donc arriver à partir du 30 novembre, ce qui est tout simplement mardi prochain. On aura du coup 100 cristaux offerts avec la story liée sur Valentine, donc ça sera cool, ce sera toujours ça de prix. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner comme perso, peut-être que ce sera stylé. Peut-être qu'il n'y aura pas de perso, hein. je m'avance pas là-dessus, mais peut-être qu'il n'y aura pas de perso. Mais en tout cas, voilà, la partie 3 de la story qui va concerner Valentine va sortir, et ça sera cool, ça va faire une petite story supplémentaire à découvrir pour ceux qui n'ont pas forcément vu l'anime, et également des petits cristaux à aller chercher gratuitement, et ça c'est cool, on prend toujours. Ensuite du coup les potes, deuxième grande chose qui a été annoncée au niveau de ce jeu, c'est l'Achion Free to Play offert qui vous sera possible d'aller chercher et maxé à 6 étoiles, tout comme le Benimaru Free to Play qu'on a réussi à maxer. L'Achion sera farmable comme le Benimaru Free to Play, donc du coup vous allez avoir un nouvel événement. Pour ceux qui ont pu voir du coup au niveau de l'onglet des bingo, on avait un event 2 qui est sorti, on l'a pas encore de disponible, mais voilà, normalement dès que Chion va sortir, on aura le bingo lié à cette Chion là, qui nous permettra du coup tout simplement de pouvoir aller chercher tous les doublons nécessaires pour pouvoir la maxer à 6 étoiles. On pourra également maxer ses items, donc ses équipements à la Chion, donc elle aura 2 équipements, et donc normalement on pourra les maxer au rang 5 étoiles. Donc voilà pour la Chion, si pour les curieux du coup, voici l'aspect de la Chion du coup. Donc voilà, ce sera la nouvelle Chion qui va sortir, et voilà, c'est cool, franchement c'est cool. Ok, donc voici le secret skill de Valentine qui va du coup sortir normalement le 30, donc mardi prochain. Donc voilà, les potes, c'est officiel, normalement c'est officiel. J'avais pas vu cette vidéo avant, mais voilà, normalement c'est officiel. Valentine va sortir du coup dès mardi prochain. Et donc on aura la possibilité de pouvoir l'invoquer. Son secret skill est plutôt cool en vrai. A voir du coup si on aura la chance de pouvoir la dropper. Ça sera stylé les potes. J'ai hâte d'être mardi prochain. Ensuite du coup on va voir rapidement les autres news qu'on a au niveau du jeu. On a quelques petits bug fix. Donc là voilà, on a quelques petits bug fix au niveau. Bah, y a eu quelques erreurs. Il y a eu reducing the amount of storage the app requires. Ils ont baissé la quantité de stockage nécessaire, de MO nécessaire pour stocker le jeu. Crash during recruit animation. Ils ont corrigé quelques erreurs au niveau des crashs quand on faisait des invocations. Ils ont baissé le temps nécessaire pour lancer un téléchargement. Quand il y a une nouvelle version qui vient, à chaque fois, écran noir, les gens disent « Ah, mais j'arrive pas à lancer le jeu et tout », mais en fait, il faut juste attendre un peu. Apparemment, ils ont réduit du coup ce temps de durée, et ils ont du coup corrigé quelques autres bugs et tout. Bah, ils nous préviendront, bien évidemment, à l'avenir. Ça, c'est après janvier. Donc, ça sera des choses qui vont arriver après janvier.
Et apparemment, donc, il y aura la possibilité de customiser, du coup. Il y aura la possibilité de changer également le background flooring coloring adjustment. Donc, vraiment, il y aura la possibilité d'ajuster le décor arrière de notre village, à voir ce qu'ils entendent par décor arrière. Et il sera possible de changer les couleurs de certains bâtiments, je pense. Donc, ouais, en vrai, il y aura... Ils vont ajouter des fonctionnalités pour pouvoir customiser notre village. Donc je pense que je partirai sur une petite vidéo où j'irai customiser mon village. Ou alors peut-être je le ferai en live, je verrai. Mais en tout cas, ouais, ça sera cool de pouvoir customiser son village pour qu'il soit un peu plus beau. On verra bien ce que ça va donner et ça arrivera bien évidemment après janvier. Une des grosses choses que j'attends énormément, c'est un nouveau mode de difficulté qui sera ajouté au mode Conquest, qui sera au-dessus du mode Master, qui est déjà très très difficile et très difficilement accessible pour la population free-to-play. Mais voilà, on aura du coup un nouveau mode de difficulté qui permettra à ceux qui ont des bêtes de team d'aller chercher des challenges supplémentaires. On aura le nouveau contenu qui s'appelle Crucible. Apparemment, on aura 30 niveaux disponibles au niveau de ce truc-là, donc je pense que c'est une espèce de tour de l'infini, je pense. À voir ce qui sera quand le mode va sortir. Et en fait, du coup, il y aura jusqu'à 100 niveaux qui seront ajoutés chaque semaine jusqu'à la fin de janvier. Donc, au total, ça fera soit 100 niveaux, soit 130 niveaux, à voir du coup ce qu'ils disent par ce qu'ils vont ajouter du coup 100 niveaux, ou alors ils vont arriver jusqu'à 100 niveaux. Une tour de l'infini où plus vous montez et plus ça va être compliqué de faire des combats. Donc ça sera cool, ça va donner un peu de challenge dans le jeu, et il y aura forcément des récompenses liées à cette tour-là, et qui dit récompense dit donc des cristaux, etc., etc. Donc franchement, c'est cool. Ensuite, donc, il y a une petite chose super intéressante, c'est que maintenant, on va pouvoir utiliser du coup les gift tickets sous forme de multi. Et ça, c'est cool les potes, parce que donc on ne pourra pas avoir la garantie, je pense, sur ce genre de multi, mais en tout cas, la possibilité de pouvoir invoquer 10 tickets d'un coup, c'est toujours mieux que de claquer à chaque fois une single. Single par single, c'est vraiment long et chiant. Donc la multi à la place des 10 tickets single, c'est plutôt cool. Et ça arrivera donc à partir de mi-décembre normalement. Ensuite, donc pour la fin de décembre, on aura la possibilité de faire des quêtes en parallèle processing au niveau story event, mais de façon limitée. Donc on verra ce que ça va donner quand ça va sortir. Donc là, c'est vraiment genre les quêtes. Pour les événements, on aura la possibilité, certaines quêtes, de pouvoir faire du parallèle processing dessus. Je pense que c'est surtout pour aller farmer plus rapidement. Petite news au niveau des chapitres 11 et chapitre 12 qui vont sortir dans les mois décembre et janvier. On n'a pas de planning précis là-dessus, mais en tout cas, voilà, ces chapitres 11 et 12 vont sortir normalement courant décembre et janvier. Donc on arrive à présent au planning du mois de décembre. Donc le premier événement qui va sortir, ce sera le story event. Donc ça sera le story event lié à la Chion qu'on va pouvoir farmer, donc qui va remplacer du coup le story event de Benimaru qu'on a eu juste avant. Donc voilà, on aura la possibilité de pouvoir farmer cette petite Chion 4 étoiles qu'on va pouvoir passer 6 étoiles gratuitement. On va également pouvoir farmer du coup les armes et enfin les équipements de la Chion qu'on va pouvoir équiper sur la Chion, et voilà. Donc ça fera un personnage 6 étoiles gratuit à farmer pour les free-to-play, ça va être vraiment une tuerie. Donc voilà, ça sort vraiment dès demain. Ensuite, la partie 3 de Fuspen Story qui sera du coup qui va concerner Valentine à partir de mardi. Donc on aura le portail de Valentine plus la partie 3 de Fuspen Story qui sera disponible. Donc ça, c'est cool. Ensuite, au niveau de la deuxième semaine, donc on sera le 6 décembre. Donc au niveau de la deuxième semaine, on aura le Crucible qui sera ajouté. Donc c'est le nouvel événement où on aura l'espèce de tour de l'infini. Si je dirais, donc normalement il y aura 30 niveaux au niveau de cette tour là au début, et on aura des Predator Battle. Donc ça, je sais pas du tout ce que c'est les Predator Battle. C'est peut-être les Predator Battle liés au story event qui va permettre du coup de pouvoir farmer les skills de la Chion free to play. Normalement, si on se fie au planning, donc mardi 7 décembre ou mercredi 8 décembre, on aura du coup le ranking event qu'on attendait tous. Donc le ranking event, ça sera donc le jubilé event, à voir ce que c'est. Donc on a eu un premier aperçu du ranking event qui est là, donc le voilà, Hero Jubilé, qui sera une version, voilà, qui sera une version bêta, je sais pas vraiment. Donc le ranking event, ça sera quoi? Ça sera tout simplement des quêtes prédateurs, je pense, parce que du coup là, vous voyez,
avec l'interface qu'on a en haut à droite. Ça a l'air d'être des combats prédateurs. Et chaque niveau, on pourra faire un certain nombre de scores. Plus vous faites des scores élevés, plus du coup vous aurez des classements élevés. Et tous les scores que vous allez faire dans chaque niveau seront comptabilisés à la fin. Et ça va vous donner un classement. Donc voilà, par exemple, vous voyez ici top 20%, top 10%, top 5%. Et en fonction de votre classement, vous aurez du coup un rang. Voilà, soit E, soit F, E, D, C, B, A ou S. Je pense que les S, ça sera sûrement les top 5% à avoir. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher le plus gros score possible. Vous allez donc affronter Gazelle au niveau de cet event-là. Et bien évidemment, on aura des milestones et des récompenses de ces milestones qui vous permettront d'aller chercher des emblèmes octogrammes pour potentiellement aller chercher la Milim ou la Ramiri. On n'a pas parlé de ça. La Ramiri qui a été enfin dévoilée officiellement au niveau de l'Octogram Shop. Donc on attend donc de voir qui se cache derrière l'image à droite de Milim. Peut-être qu'on en aura plus d'infos prochainement. Mais voilà, pour l'instant, on a la Ramiri qui a été annoncée. Et franchement, je la trouve vraiment très très cool. Et ça sera ajouté à la fin du mois de décembre. Donc il faudra attendre un mois pour pouvoir avoir la Ramiri. Et je pense du coup qu'à la fin du mois de décembre, très fortement probable qu'on ait les 100 octogrammes emblèmes qui nous permettront d'aller chercher soit la Milim, soit la Ramiri au niveau du shop. Je vous referai du coup à ce moment-là une petite vidéo pour aller comparer les deux persos et pour vous aiguiller sur quel est le perso qu'il faudra aller prendre en premier. Donc ça, c'est une petite aparté sur Ramiri. Qu'est-ce qu'on vient ? On revenait sur ça. Alors du coup, voilà, on va devoir battre Gazelle et ça va nous donner à chaque fois, dans chaque niveau, du coup, la difficulté va bien évidemment augmenter et ça va nous donner un scoring. Ce scoring va nous permettre d'avoir le classement et en fonction de ce classement, on aura des récompenses. Donc ça, on y reviendra bien évidemment quand le mode va sortir. Normalement, il y aura un premier ranking event à partir du 7 ou 8 décembre et ensuite on en aura un deuxième à partir de la quatrième semaine de décembre. Et la quatrième semaine de décembre, c'est 1, 2, 3, 4, c'est à partir normalement du 20 décembre ou du 27 décembre à voir en fonction de leur planning. Dernière chose, du coup les potes, c'est cette Shuna. Donc cette Shuna qui est apparemment une carte protection. Donc soit du coup on a Shuna plus Valentine qui sort en même temps sur une bannière, soit cette Shuna c'est du coup une carte protection qu'on va pouvoir farmer. Et de base ça sera du 4 étoiles et peut-être qu'on va pouvoir la passer 5 ou 6 étoiles. Donc on n'a pas forcément d'infos là-dessus. Mais à mon avis, donc ça c'est mon avis personnel, je pense que comme pour Diablo plus Shion, donc on aura un portail avec Shuna plus Valentine. Donc ça m'a l'air d'être ça. À voir du coup si c'est vraiment ça ou pas. En tout cas, si c'est ça, ça sera cool et j'espère que cette Shuna sera forte. Donc voilà, vous voyez dans l'aspect, on a quand même plein de petits trucs verts, des trucs verts scintillants. Ce qui m'a l'air d'être un peu comme une espèce de spé. Une spé heal. Donc ça peut être du heal, hein. Ça peut être du heal. Donc je sais pas, on verra. En tout cas, voilà, y a vraiment, c'est vraiment axé couleur vert. Et avec un champ de protection vert. Donc soit c'est du heal, soit c'est des choses axées niveau protection, garde et des trucs comme ça. Donc ouais, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça a l'air d'être vraiment axé support plutôt que dégâts. Donc je pense qu'il y aura un effet plutôt support utilitaire au niveau de cette Shuna protection. Donc voilà les potes, c'est tout pour cette vidéo. J'ai fait le tour sur toutes les choses qui ont été annoncées au niveau du live de Bandai. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous ces événements-là. Est-ce que vous êtes hype ou pas? Pour ma part, moi je suis grave hype. En vrai, je kiffe et je suis grave impatient d'avoir déjà demain l'événement de Shion et ensuite la sortie de Valentine et peut-être du coup Shuna protection qui sortira normalement en même temps que Valentine. J'ai grave hâte et je suis grave hypé par ces sorties-là. Le petit pouce bleu gratuit les potes si cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, ciao !